Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Skyrim et nous allons essayer de finir de décorer la maison. Donc j'ai fait un petit calcul bien sympathique qui m'a pris assez de temps comme ça. Il me fallait environ 165 tronciers, il me fallait 215 clous, 65 machins en acier, 95 lingots de fer, 10 bandes de cuir, 15 pailles, 50 gonds, 20 verres, 15 cornes d'acier, 20 serrures, 25 pierres extraites, 5 bandes de cuir et 35 lingots d'acier. J'ai fait un peu le ménage, je l'ai fait hors caméra parce que bon, c'est sûr que acheter autant de trucs, c'est pas non plus... Lingots d'acier, j'en ai que 75. Comment ça se fait que j'en ai que 75? Il était censé en avoir 100... Non, c'est lingots de fer que j'ai besoin. Voilà, lingots d'acier. Non. Ah oui, j'ai beaucoup plus que je prévu en fait. Bon, bah, c'est pas plus mal. Allez, on va tout prendre. Du coup, je vais me déplacer très 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 lentement. Voilà, on va aller faire normalement les 215 clous qui représentent à peu près 22 lingots d'acier. Ensuite, il y aura aussi les gonds. Il y aura 50 gonds à faire. Et ensuite, il y aura 20 serrures à faire. Voilà. Donc ça représentera à peu près tout ce que j'aurais besoin. Donc, alors, matériaux de construction. Donc, accessoires en acier, il m'en fallait 65. Donc. Ah oui, mais ça, j'aurais jamais assez, en fait. Ah, c'est là que je suis en train de me dire que j'ai fait une couille parce que j'en ai peut-être pas assez. Des clous, il m'en faut 21. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Accessoires en acier, non. Accessoires en acier, je vais en faire, il m'en fallait 65, je vais en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Je vais en faire que 21 pour le moment. Alors, du coup, là, j'en ai besoin, donc j'en ai besoin de 25. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Des serrures, j'en avais besoin de 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Et on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7, voilà. Voilà. On va déjà faire ça, ça sera déjà pas mal. Je pense qu'après il m'en faudra encore. Alors par contre, ça m'a bien ruiné. Hein. Je sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais 16 000 au début de la maison. 16 000, et j'ai revendu à peu près pour 4 000, donc j'avais à peu près 20 000. Donc là pour l'instant, la maison m'a coûté 20 000. Voilà, donc regardons à peu près la maison comment elle est. Elle est déjà bien remplie, mais il manque plein de choses. Donc on va aller faire ça tout de suite. Là, alors table ronde, oui, voilà, plaque d'armes, voilà, extérieur, oui, voilà, bougeoir, mur, ah oui, il y a juste les trucs d'ours, les trucs de déco que j'ai pas fait comme ça, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est, ah, ça a quand même un peu plus de gueule, hein. Alors, il y a certainement des trucs qui vont arriver par après, donc on va laisser ça tranquillement se faire. On va descendre dans la cave pour créer tout ce qu'on avait fait. Et après, on fera vraiment un tour de la maison pour contempler tout ce qu'on a fait. Alors, contenant... Alors, ça, c'est tous les coffres, bien entendu. Alors, qu'est-ce qui me manque déjà ? Les accessoires en acier. Voilà. Voilà. Mais ça, je comprends pas. Je l'ai déjà fait, ça, le socle de l'hôtel. Pourquoi il veut que je le refasse, le socle de l'hôtel? Je comprends pas, en fait. Ah, bah ça commence à prendre forme tout ça. Bon, tout est en train de charger, on va tout laisser charger à son aise. On va monter. Est-ce qu'il y a encore la réserve normalement? J'ai plein de trucs à faire. J'ai ici aussi à faire.
Alors, contenant. Voilà. D'accord, en fait, c'est les accessoires en acier qui me manquent, absolument. Va falloir aller chercher. Va falloir aller chercher les lingots, les amis. Va falloir faire ce que j'ai fait pendant une demi-heure. C'est le lingot de fer et accessoires en acier. Eh ben putain, j'ai l'impression d'avoir mal calculé mon coût, mais là. Je pensais pas que c'était si. Parce que j'ai dépensé quand même pas mal de fric. Alors. Voilà. Ouais, c'est vraiment putain, j'arrive pas à le dire, les accessoires en acier, voilà, merde. C'est vraiment les accessoires en acier qui manquent et qui posent problème. Voilà. Ah, ça a quand même un peu plus de gueule, hein. Alors, étagère mur à la joue, parfait. Il va en plus falloir de tout ça, il va falloir que j'aille chercher toutes mes affaires dans Douze Brises, hein, pour ramener tout ce qui était là, tout ce qui est armure sympa et tout, ça va être sympa à prendre. Porter trop de choses pour pouvoir courir. Oui, je sais bien que je porte des choses, mais attends, bouge pas. Là. Alors, il était pas censé avoir un lit là normalement. Étagère murale, vitrine, grande étagère. C'est les meubles qui me manquent, c'est ça? Alors, chaise. Là, il manque des bandes de cuir. Accessoires en acier. Ah, bah voilà. Accessoires en acier. Ouais, c'est vraiment ce qui me manque le plus pour le moment, c'est les accessoires en acier, quoi. C'est vraiment ce qui me pose le plus de problèmes. Alors, est-ce qu'ici il y a des choses qui ont été installées? Ce héros viendra nous délivrer. Où est-ce qu'elle est? Écoutez-le qui vient, lui, l'enfant de dragon. Oh, il y a là, bah, c'est ma barbe, hein, qui. Ma barde. Ma barbe. Oh, les gars, je suis crevé. Alors pourquoi il n'y a pas de lit qui vient de se mettre ici? Parce qu'il me faut de la bande de cuir, c'est ça. Ok. Et j'ai pas de bande de cuir. Bon, on va aller acheter tout ça alors. On va aller acheter tout ça. Bon, ici ça s'est pas mal mis, c'est pas mal. Ah bah tiens, là t'as un truc là. T'as plein de petits coffres, ça c'est cool ça, vous avez vu tout ça? On viendra voir, une fois que la maison sera à peu près finie, on viendra voir, hein. Y a pas de souci. Mais j'aimerais quand même bien finir tout ça. Donc il me faudrait au moins encore une trentaine d'accessoires en acier, je pense, largement. Alors, bon. Je vais déjà stocker là. Ah oui, c'est vrai que je crois que j'ai même pas compté les trucs qui manquaient ici. Attendez, je vais voir si je peux prendre là, déjà avant. Alors, est-ce que je peux déjà faire des choses, un guéridon? Ok. Ah bah voilà, ça commence déjà à avoir un peu plus de gueule. C'est pas tout ça, mais on va ranger tout là-dedans. Je vais refaire un tour de tout ce que j'ai fait. Comme ça, je vais vous montrer en plus comment j'ai fait. Clou, on n'aura plus besoin. Les clous, oui. Corne de chef, je sais pas. Oui, parce qu'évidemment, il faudra tout reprendre. Gond. Non, grenade, je vais garder. Grenade, griffe. Lingot d'acier. Lingot d'argent. Lingot d'or.
J'ai pas besoin de tout ça. Par contre, minerai de fer, ça va me faire 6. Ça, c'est pas mal. Peau de chèvre. Quoique la peau de chèvre, je pourrais l'utiliser. Je vais en faire des... cornes de chèvre. Non, mais peau de chèvre, oui. Hop. Alors, pierre de lune, on s'en fout. Pierre de lune, on s'en fout. Ça, surtout, pas besoin. Essayer de faire le plus de place possible. Les serrures, il n'y en a pas besoin non plus. Le verre, surtout pas. Les bénites raffinées, non. Et l'émeraude, on garde ça pour vendre. Allez, on est parti chercher dans toutes les villes s'il y a possibilité de choper le reste des composants qu'on a besoin. Là, je vais pouvoir avoir 6 lingots, ça va être pas mal. Alors, lingot de fer. Ah, ça m'en rapporte même un plus. Ça, c'est bien. Ça, c'est top. Voilà. Puis, il me semblait qu'il y avait un chevalet de tannage qui était juste ici. Top. Voilà. On va pouvoir se faire un peu de... Mais pourquoi la peau de chèvre... Pourquoi je peux pas le faire? Je comprends pas pourquoi la peau de chèvre, elle veut pas se faire en... Ce morceau est l'un de mes préférés. Une légende que nous connaissons. Petite sauvegarde automatique. Hop. Ah, sauvegarde rapide. Alors, on va partir sur Blancherive. Parce que normalement, il y a le truc qui est là. Donc, il me faudrait au moins pour bien faire. Je sais que j'avais oublié de compter les accessoires en acier dans le fer. Donc, il m'en fallait 65. J'en ai au moins utilisé 20. Il me faudrait, pour bien faire, je pense qu'il me faudrait au moins 45-50 lingots de fer. Ça serait pas mal. En sachant que c'est 20 le lingot de fer. J'ai un trou. Oh, il me faudrait à peu près 800 ou 1000 pièces d'or. 1000 pièces d'or, on serait mieux, je pense. Donc, on va attendre un petit peu. On va aller vendre des trucs à Bellator. Essayer de récupérer 700 PO, ça serait pas mal. Parce qu'il me semble qu'il m'en reste 800. Donc, ce qui me permettrait, en fait, d'être tranquille. Il me reste 800 PO. Si j'en récupère 700, ça me fait 1400. Ça serait large pour acheter les lingots de fer un peu partout. Ouais, je pense qu'on serait pas mal avec ça. C'est de la fourrure qui sort de vos oreilles? Oui, c'est parce que je suis un loup-garou, connard. Et si tu me fais chier, je vais me transformer devant c'est ta face et je vais te bouffer. Faites-moi signe. Alors, est-ce que tu as tes PO? Il y en a qui appellent ça de la camelote. C'est ça, tu as tes PO. Alors, moi, attends, bouge pas. J'appelle ça des trésors. Normalement, j'ai des trucs. Hop. Voilà. Parfait, donc là j'ai assez normalement pour acheter Revenez tous les lingots donc. De fer qui me manquent. Parce que oui, des accessoires en acier. Putain, j'arrive pas à accessoires. Accessoires en acier, c'est pas de l'acier, c'est du fer qu'il faut. Enfin, je me suis pas trompé quand même. C'est pas des lingots d'acier que j'ai besoin. Je ne pense pas, hein. J'ai un doute. Je vais regarder quand même à la forge, mais. Je vais quand même regarder à la forge. C'est pas de l'acier qu'il me faut quand même pour des accessoires en acier. Non, c'est de lingots de fer. Oui, me semblait bien. Bon, heureusement d'ailleurs, parce que c'est dommage parce que j'avais plein de lingots. Tiens, viens ici. J'ai beaucoup d'acier à force. Hein? Non, non. Vous savez qui je suis, imbécile. Pourquoi demander? Merci, connard. Alors. Les dieux soient loués. Est-ce que tu aurais par pur hasard des lingots de fer? Oh, oh, bam, voilà. Voilà. Donc là, on a déjà 20 lingots de fer. On va aller à... on va aller là, à Solitude. On va aller à Solitude pour acheter, du coup, d'autres lingots de fer. Ce qui me permettra d'avoir normalement assez. S'il a encore 20 lingots et puis qu'à Vendôme, elle a... Enfin, le vendeur a 20 lingots, je pense qu'on serait pas mal, les gars. On serait bien, on serait tranquille. On va pouvoir en plus monter, blinder la forge. C'est génial. C'est génial. Parce que là honnêtement, j'ai dépensé pratiquement 20 000 PO. Mais au moins, j'ai monté facilement 10 niveaux de forge. Ouais, facilement 10 niveaux de forge. Donc le prochain niveau, je vais pouvoir, je pense, mettre la forge orc. Parce que je regarde, mais... Là, c'est 80.
Donc on va mettre la forge orc et on verra ce que multiplie par 2 leur efficacité. Du coup là ça serait intéressant peut-être de faire une armure, de repartir sur une armure orc vu qu'elle aura 2 fois plus de trucs. Pourquoi il court lui? On va attendre 12 heures. Parce que le temps que le mec revienne, on lui achète ses lingots, on repart sur Vendôme. Je suis en train de voir tout ce que je vais faire. Et une fois qu'on aura fait tout ça, on pourra regarder un peu la maison et profiter de cette nouvelle maison qu'on aura. Mine de rien, elle m'aura quand même mis pratiquement 2 heures à construire cette baraque. Hein. Donc vous voyez comme quoi le DLC... Les impériaux ont toujours besoin de quelque chose. Évidemment, là, il est 7h43, donc il va être casse-couille. Voilà, en quoi puis-je vous aider? J'ai besoin de lingots de fer, mon ami. Les étrangers comme vous doivent avoir des tas d'histoires à raconter. Exactement. Mais j'ai besoin de lingots de fer. J'ai de belles armes. Je n'ai pas le temps de faire autre. Les hommes qui s'entraînent ici, vous devriez penser à vous enrôler. Ils ont besoin... Ah, je suis ce qu'on peut appeler un loyal. Je suis loyal envers Solitude. Quand le Jarl est ici fort de... Ah, voilà, parfait. Vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Je veux des lingots de fer. T'en as 17, bon, bah, c'est pas mal. Revenez. Alors, on va partir maintenant sur Marca... sur Vendôme. Alors là, on en a 37 lingots. Si on a 20, ça serait vraiment pas mal. S'il aurait 20 lingots, je pense que ça suffirait. Je pense, hein, vraiment. Après, je suis pas sûr, mais... Et après, hop, on zut tout ce qu'on a. Je repartirais bien... à Blancherive. Quelle heure il est, là? Ils sont plus là, les... Ah, c'est la fin de la journée? Allez, d'accord. Ah oui, mais c'est le midi, merde. Non, attends, hop. Attends. Ah non, c'est 2h du matin. Non, c'était bon. Excusez-moi, pardon. C'est moi qui bug. Alors... Où est-ce qu'ils sont? Là. Fantastique. Vas-y, mets-toi au boulot. C'est génial de travailler à Vendôme. Les gens disent... Je peux voir Ulfric de... Regardez donc. Dis-moi que t'as encore plein de fer. Oh, 17. Ah. Alors du cuir, je vais en racheter un tout petit peu pour faire les trucs. Voilà. Que vous ayez... Bon, ben, on va aller faire un tour à... Parce que j'ai peur que ça ne suffise pas, en fait. On va aller faire un tour à Rivebois. D'une armure. On fait le tour des petites villes qu'on connaît, hein, les gars. Comme ça, ça permet tranquille de se poser. Yeah. Allez, vas-y, charge. Quelle heure il est? Oh, et merde. À chaque fois, ça fait du coup que je dois recharger. Je suis désolé, hein, mais à chaque fois, c'est pareil. Alors, normalement, il est censé être là. Il est là? Il y est. Fantastique. Dites-moi, vous voulez vous protéger ou faire des dégâts? Bon, ça suffira, je pense. Voilà. Fantastique. Ouais. Là, on va utiliser ça pour faire des bandes de cuir. Parfait. Allez, petite épée jusqu'à la maison. Et je pense que là, on va être bien. Là, on va être concrètement au top. Bonne petite chose. Comme ça, on aura fini notre maison. Enfin, on aura quelques petites décos à faire, quoi. Mais après, c'est que de la déco. Hein. Je pourrais peut-être même adopter une gosse. Adopter une enfant, ça pourrait être drôle. Bon, pas tout de suite, mais on a le temps. On a le temps. Et là ça bug, et là ça plante. D'ailleurs j'ai fait une sauvegarde parce que je le sens pas le coup du... Voilà. Allez, on prend tout. On se déplace comme un porc jusque là-bas. Elle s'éclate, Auriella.
On va faire pas mal de lingots, enfin de trucs. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19. Voilà, je pense que ça suffira. Je pense que ça suffira largement. Tiens, on va déjà commencer à se dégager des trucs. Voilà. Trucs qui vont apparaître au fur et à mesure normalement, mais je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il n'y a pas des trucs qui remplacent les trucs? Parce que là je suis en train de construire à chaque fois plein de choses, mais est-ce que ça remplace pas le... Putain, il me manque des gonds, mais non, c'est vrai. C'est déjà pas mal. Alors si maintenant il manque des gonds, c'est la merde ça. Là je pense que j'avais tout fait, non? Alors, ça m'a pas l'air mal tout ça. Qu'est-ce qui manque là? Il manque des clous. J'avais mal calculé mon coup, je pense. On va refaire une vingtaine de clous. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce que je remplace pas des trucs par d'autres trucs en fait? Ah, je suis con, putain. C'est les clous qu'il me fallait. Voilà, c'est bon ça. Donc on va le mettre en magie. Et du coup la forge prendre le permet de créer des armures et armures orc aux forges et multiplie par 2 leur efficacité. Bien sympa. Elle s'éclate elle hein. Musique, oui, soyons fous. Ce qui serait pas mal, c'est que j'aille ajouter tout ce qui est lit. Pourquoi je peux... Ah. Ouais, je sais que je transporte trop de choses pour pouvoir courir. Je me fatigue, le jeu, à me répéter les trucs que je sais déjà. T'es sérieux, il me manque 2 bandes de cuir. C'est moche cette histoire. Donc voilà, on s'en sort pas trop mal. Normalement, il y a les lits qui sont pas censés arriver. Ce héros viendra nous délivrer. Écoutez-le qui vient, lui, l'enfant de dragon. Dans sa voix, le pouvoir de l'antique arme nordique. Oyez, oh yeah, oyez, oh yeah, l'enfant de dragon.
bord de ciel sera sauvé de ses ennemis. Prenez garde, il arrive, l'enfant de dragon. J'ai surtout l'impression que je fais des trucs en double. Et la lumière vaincra. Vous le verrez bientôt, l'enfant de dragon. Aux jours à venir, à ceux qui ne sont plus des oppresseurs et bientôt révolus. Nous chasserons l'Empire. Ah, j'ai l'impression que je remplace en fait, plutôt que de... Par le sang et l'acier, chez nous, nous reviendrons. Gloire à Ulfric, gloire à toi, ô roi, en ton illustre... Comment tu parles, toi? Fais attention à ce que tu dis ici, ma poule. Fils de bord de ciel, combattons sans répit. Quoi, j'ai plus de troncier. Bon bah écoutez, on va déjà s'arrêter là. On a déjà fait pas mal de choses. Là c'est complètement vide par contre. Là, c'est vide comme tout, là. Ce morceau est l'un de mes préférés. Une légende que nous connaissons et chérissons tous. Alors. Voyons ça. Comme quoi, il reste encore plein de trucs, hein. Donc, je suis loin d'avoir tout enlevé. Enfin, je suis loin d'avoir tout fait. Ça, on s'en fout. Sacoche, saphir, saut. Voilà. Alors. Tenue, j'en suis botte d'écaille sur moi. Ce héros viendra nous délivrer. Ce que j'aimerais bien faire, c'est aller chercher les tenues un peu spéciales que j'avais. Dans sa voix, le pouvoir de l'enfant. Alors, j'ai juste combien de place? J'ai 115 de place, ouais. Donc, on va aller chercher à 12 brises quelques tenues, histoire de les mettre sur les mannequins. Au moins, comme ça, si je mets les trucs sur les mannequins, ça pourrait être sympa. Oh, les tenues que j'ai récupérées, un peu spéciales, quoi. J'en ai combien de mannequins? J'en ai 7, 8. On va voir. Et puis je pense qu'on finira sur le déplacement de certaines choses, voilà, au moins des armes et des statues pour commencer, quoi. C'était là. Alors, qu'est-ce qui est un peu spécial? Bouclier d'Auriel, oui. Bouclier des Grimoires, oui. Qu'est-ce qui est un peu spécial? Ça, on s'en fout. Botte d'ébonite, non, parce que c'est pas... des trucs d'ébonite, on en a un peu partout, quoi. Orque supérieur, non. Falmer durci, oui. Nordique gravé, oui. Louis. Gantelet Falmer de sang, oui. Botte Falmer ancienne, oui. Vampirique, oui. Oui, oui. 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 Vampire, non. C'est tout ce que j'avais un peu spécial, là? On va reprendre depuis le début. Casque lourd Falmer, oui. Casque Dwemer raffiné. On pourra peut-être mettre une armure. Botte d'ébonite. Je sais pas.
Je vais les prendre au cas où je peux les améliorer. Botte d'armure de la garde de l'aube. Oui, parce que Lydia est là-bas, donc je vais lui enlever l'armure lourde. Ok, j'ai combien de place là? Il me reste 15 kilos. Je vais pouvoir prendre des armes un peu spéciales. L'arc d'Auriel, je le prends. Il me reste 3 kilos. Après, il y a Vutrad qu'il faudra que je prenne. Il n'y avait pas une arme un peu spéciale aussi? Et la hache de machin, elle est où? Parce que ça, c'est Vutrad, c'est d'accord, il n'y a pas de... Ah, mais si, attendez, je sais ce que je peux faire. Tenue. Vampire et caille de... Ouais. Voilà. Hop, alors déjà, ça sera mieux. Je vais déjà pouvoir prendre Vutrad. Voilà. Hache de Blancherive. Oui. D'accord, génial. Qu'est-ce que je pourrais laisser? Peut-être les bouquins. Peut-être 7 kilos de bouquins, je sais pas. On va déjà faire ça, ce sera déjà pas mal. Alors, livre. Ça me fait vraiment chier pour les... Allez, encore un truc. Voilà, c'est bon. On va déjà aller porter ça sur les armures. Faudra faire le transfert d'autres trucs, mais ça je pourrais me permettre de faire le transfert tout seul, quoi. Ça sera pas une mauvaise chose. Alors... Eh ben voilà, on y arrive. Et comme quoi, même avec tout ce que j'avais calculé, il manque des trucs, hein, c'est fou. Hein. C'est, je suis sur le cul, quoi. Je pensais vraiment que qu'il allait être ajouté, enfin que ça allait être ajouté des trucs, mais non, apparemment même pas. Même pas, quoi. Quand tu veux. Vous n'êtes pas un trouble fait, j'espère. Que puis-je pour alors, vous? Alors, par contre, Lydia, ouais. Je vous suis. Attends. Encore là. J'ai besoin. Voilà. Je suis à votre service. Alors, je vais reprendre, par contre. Voilà. Je serai chez moi si vous me cherchez. Ok. Alors, ça c'est bon. On va pouvoir aller mettre... Je suis votre épée et votre bouclier. Je sais, t'inquiète. On va pouvoir décorer les fameuses statues quand même, parce que les... Des statues comme ça, juste comme ça, c'est un peu tristounet, quoi. Mais si je peux me permettre de mettre quelques... J'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq à cet endroit-là? Ok, d'accord. Mais écoutez, regardez, on va déjà faire... Ça, on va déjà lui mettre... tenue... On va lui mettre l'armure du loup, pour les compagnons. Les bottes du loup. Je sais pas s'il y avait les gantelets du loup aussi. J'ai un trou. Voilà. En l'honneur de notre pauvre... Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Alors ici, on va lui mettre quoi? Les bottes de vampire. Il faudrait que je vois... Armure de vampire, où est-ce qu'elle est? Où est-ce que... Attendez. Ah, armure royale de vampire. Voilà. En l'honneur de tous les trucs qu'on a fait. Hein? Il y avait rien d'autre pour les vampires?
Là, je vais mettre la garde de l'aube, parce que mine de rien, ça m'a quand même bien... Voilà, cette tenue m'a quand même bien, bien aidé en début de partie. Que j'ai refilé à Lydia, mais... C'était Skior, non? C'est pas Skior qui est mort, justement. Je me pose la question, du coup. Alors, ce qui pourrait être sympa, c'est de mettre, en fait, sur ça, vu que ça correspond, je pourrais mettre l'arc d'Auriel. Ah. Alors, le bouclier d'Auriel, normalement, j'ai, non? Normalement, il le porte, les trucs. Voilà. Le bouclier d'Auriel, ça... Bon, c'est dommage que je peux pas mettre d'armes à côté, hein, mais... Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, j'ai tout fait, là, du coup? Ouais, là, ça est tout... là, c'est tout fait, donc on a le maximum qu'on peut faire. Là, je vais mettre l'arc d'Auriel, là. Pas placer d'arc sur... Ah, je peux pas placer d'arc sur le machin. Alors, je vais faire ça, plutôt. Alors, tac. Objet. Arme. Hop. Regardez-moi ça. C'est pas la classe, ça, hein, sans déconner. Alors, donc là j'ai mis la garde de l'aube avec les vampires, c'est top, ça fait vraiment un lien un peu sympa. Ensuite, on a ici... Oh, je sais pas ce que je verrais comme armure ici. Falmer durci, parce que ça fait partie aussi de la quête. Ah non, 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 je sais, attendez. Falmer durci. Alors, mannequin. On va lui mettre la Falmer légère. Voilà. Donc là, ça fait vraiment tout Dawnguard, limite, hein. Enfin, à part les compagnons, mais... Là, je vais les mettre... ça défonce. Honneur à vous. Je vais les mettre, là, le truc de Falmer lourd. Montagne. Pourquoi le casque, il a pas voulu le mettre? Parce que j'ai pas dû le mettre, bien vu. Casque Falmer lourd, voilà. Voilà. Ah bah j'ai envie de vous dire qu'on a que ça a sacrément de la gueule. Après, je pourrais peut-être lui mettre le bouclier d'Isgrimor ici. Voilà. Normalement, j'avais un casque de... Comme ça, t'as le bouclier d'Isgrimor avec justement le mannequin là. Est-ce que je pourrais pas mettre Vutrak justement là? Mais alors, c'est quoi ce... Ah, seul un bouclier peut être mis là. Ah bah alors attends, je vais reprendre le bouclier d'Isgrimor et je vais mettre le bouclier d'Isgrimor là. Ah, c'est en tenue. Bouclier d'Isgrimor. Bah c'est ce que j'ai fait. Bouclier d'Isgrimor. Voilà. Ça claque, non? Bon, il est mal mis, mais... Ah oui, non, d'accord, j'ai compris. Alors, attendez, tenue... Et normalement, t'as arme, et normalement, t'as flèche, t'as hache de Blancherive, qui peut être mis sur... Alors, la hache de Blancherive, par contre, elle bug, mais complet, hein. Mais alors, c'est même pas la peine, hein. Vutrak, je peux la mettre ou pas? Avec le bouclier du Isgrimor. Ah, eh, franchement, ça a pas de la gueule, la Vutrak avec le bouclier d'Isgrimor. Bon, à part, il y a juste la hache de Blancherive qui plante, mais complet quand tu la mets sur un truc, mais...
Ah oui, c'est absolument normal, voyez-vous ça? Ouais. On va comprendre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ça. Voilà. Hop. Et voilà, l'âge de blancherie est bien mise. Il reste encore un étage où je mettrais bien une armure gravée, parce que normalement, il me semble que j'en ai deux en haut. J'ai deux armures. Non, j'en ai qu'une. Ah merde, je pensais que j'en avais plusieurs. Que voulez-vous? Et il est pas censé avoir des lits, là, plusieurs lits, là. Ah, c'est qu'il m'en manque. Ok, d'accord, il manque plein de trucs. C'est qu'on n'a pas encore fini. Alors là, j'hésitais à mettre une elfique ou... Tenue. Alors, armure légère. Nordic Gravel sera mieux, je pense. Voilà, ça claque quand même, non? Voilà. Et ensuite, normalement, à la cave, si je dis pas de bêtises, il y a encore plein de trucs. Et ouais, parce que ça finit jamais. C'est la folie, ce truc. Normalement, t'en as, non? Ah, voilà. Là, pour éclaircir un peu, on va mettre une elfique. Voilà. Ah ben voilà. Ah ben voilà, regardez tout ça là, tout ça là, c'est pas mal là. On a plein de choses, hein, tout ce qu'il faut. Bon, visitons maintenant un petit peu. On a plein de trucs là, on a plein de trucs là. Je pense que même il reste encore plein de choses à foutre. Non, c'est ça. Il reste encore une vitrine, oui. Il reste encore deux coffres à mettre. Il reste encore tous les hôtels à mettre. Ah ouais, franchement, on a de quoi faire, hein, sans déconner. Là, on a plein de râteliers, on a tous les hôtels, on a tout ça. Voilà, ok, tranquille. Il va falloir que je fasse le transfert de tous les bouquins, tous les machins et tout ça. Il faudrait que je trouve un endroit aussi où mettre les armes un peu spéciales, les armes d'Hydric. Donc ici, c'est la fameuse réserve, voilà. Bon, c'est sympa. Je trouve que c'est plus utile quand même que... Donc ça, c'est la fameuse réserve. Ensuite, on a la tour de l'invocateur. Donc ici, avec des machins. Ok, d'accord. Des petites décos. Qu'est-ce qu'il reste encore à mettre ici? Ah ouais, pas mal de choses quand même. Ah, je pourrais encore mettre un mannequin et tout en plus. Alors, vu que c'est la tour de l'invocateur et tout ça, je mettrais bien la tenue de l'archimage ici par après. Ça pourrait être sympa, non? Je sais pas ce que vous en pensez, la tour de l'archimage. Enfin, Donc la pièce principale de vie qui est pas trop mal, je pense qu'il y a encore des choses à ajouter aussi, hein. Des trucs de déco et des machins comme ça, il y a encore un coffre à mettre, et voilà, plein de petites décos comme ça bien sympathiques. Voyons l'étage, hop, donc, ah ici c'est sympa, ah mais t'as un truc d'armure là? Je pense que toutes les armures ont été mises, les bottes d'ébonite il faut que je les remette, ok, donc si j'ai encore une armure je pourrais la mettre là, c'est cool. Parce que non. Ah oui, il y a Mirac aussi à mettre. Ah, mais je pense que Mirac ira peut-être bien... alors l'invocateur ici, puis Mirac à côté. Écoutez, j'en sais pas plus pour le moment. Voyons voir en haut ce qui se passe là. Bah là, c'est sympa. Il y a rien de très très important, mais c'est sympa quand même. Et ensuite, pour finir... Normalement, il y a encore un lit ici. De vous revoir, Montane. Non, il y a encore un lit là. Et ici, c'est si on veut faire des petits barbecues et tout ça. Voilà. Bon, il y a encore des trucs à ajouter. Hein. C'est pas encore fini, mais. L'armurerie est bien sympa, je trouve. Bon, ben voilà, les amis. En tout cas, j'espère que toutes ces vidéos sur Hearthfire vous auront plu. On a une sacrée foutue baraque, je trouve. Elle est bien sympa. On a encore quelques petits trucs à mettre, tranquille, voilà. Hein. On a une belle vue sur la plaine, on a une vue sur Blancherive là-bas, on a une vue sur la ferme des machins trucs, je ne sais plus comment. Donc voilà, bon ben j'espère en tout cas que ça vous a plu, on va pouvoir continuer, voilà, tout simplement. Moi il va falloir que je fasse le transfert de tous les matériaux qui me restent. Maintenant, ça ce sera ma base à moi maintenant, clairement, hein, je vous le dis concrètement. Moi je ne vais plus utiliser Blancherive. 12 brises, et je reviendrai ici pour faire principalement tous les trucs, et quand j'aurai besoin d'acheter un peu de machin, je viendrai ici, voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit j'aime, le petit commentaire, n'oubliez pas de partager, je vous dis à la prochaine, et salut salut !